Expérience Barbe, série DIY, numéro 2, changer sa lame sur sa tondeuse. Hey, salut! Sur ma vidéo de taille de barbe, je parlais de ma tondeuse de marque Alpha achetée au centre du rasoir. Ça s'avère que la marque Alpha, c'est une marque spéciale faite juste pour le centre du rasoir. C'est fabriqué par Wall, une entreprise très réputée dans le domaine. Dans la vidéo, je mentionnais que ma tondeuse avait besoin d'un affûtage. Je me suis informé, c'était un peu compliqué. Il fallait que j'aille à une succursale un peu loin de chez nous. Il allait prendre la tondeuse pendant 2 semaines et tout ça. Fait que finalement, j'ai regardé autour de moi, dans mon quartier, pour voir à une solution. J'ai trouvé un magasin, c'est le genre de magasin des années 60-70. C'est le genre de magasin où on peut trouver un peu de tout. Ben, ça a fait exactement l'affaire. Je me suis donc procuré une nouvelle lame pour ma tondeuse. C'est une lame Wall, comme j'expliquais, mais la lame la plus standard qui va sur plusieurs modèles. Je crois que c'est environ 25 $ pour la nouvelle lame. Donc, à défaut de pouvoir affûter la lame existante, on va changer aujourd'hui la lame pour une nouvelle lame. Toujours lire le manuel d'instruction. Première étape sur l'ajustement ici, d'assurer que la lame est complètement vers le haut. Donc le kit vient avec les 3 vis pour les remplacer, donc remplacer vraiment les 2 lames et les vis qui les tiennent ensemble finalement. C'était pour nettoyer un peu l'intérieur. Je vous reviens. Il y a une vis sur le côté ici qui vient modifier le positionnement de ce morceau-là ici. Puis on essaie de le centrer pour placer la lame inférieure. Il y a des petits anneaux qui fitent dans les trous. Et après ça, il faut mettre la plus petite lame en premier. Ce qu'il suggère, c'est de mettre les plus petites vis des côtés en premier et ensuite la vis du centre. Il faut s'assurer de bien serrer les vis. Et voilà une autre idée cadeau. Si vous avez une tondeuse qui ne fonctionne pas de manière optimale, remplacez la lame. À la première utilisation, s'assurer de bien huiler les lames pour vraiment assurer aucune friction entre celles-ci. Reste à l'écoute. Dans un prochain épisode, on va voir le résultat. Donne-moi un thumbs up si c'était utile. Suis-moi sur les sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, et d'ici là, reste à l'affût, reste barbu. Il y a des petits anneaux qui fitent dans les trous ici. Ok. Il faut faire attention. Faut pas les perdre. Ah, excuse-moi.